Hey, 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 cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rêve de gloire d'Ibrahim. Oh, merde Ibrahim a vieilli, mais c'est vrai, j'avais oublié qu'il clignotait. Oh, bah zut, l'âge adulte au programme, rêve à réaliser, retraite à peu près, crise de la quarantaine. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, déjà, il est déjà adulte, va falloir qu'on se bouge les fesses pour qu'il grimpe en notoriété, qu'il gagne ses étoiles, qu'il gagne, voilà, il faut qu'il atteigne 3 étoiles, il organise une rencontre, ok. Je t'avais demandé juste de t'entraîner à jouer comme ça, hein, voilà. Et donc, on avait pris la prochaine audition, c'était Dignité et Décorum. Ah oui, c'est truc un peu d'époque, tout ça, donc je vais bien kiffer. C'est dans 24 heures exactement, avec le niveau de compétence 5 de charisme, mais ça, on est bon parce qu'on est déjà au niveau 6. Et au niveau de la carrière, on est au niveau 6. Prochaine promotion, star montante. Donc c'est cool, et star montante, ça veut dire 3e étoile. On va voir ça. What? Plumbob Picture a accepté de vous dédommager en Sinflux pour votre compétence d'acteur médiocre. Médiocre? Les recherches. Attends, oh toi, non, on s'en fout. Les recherches comparatives indiquent qu'il s'agit d'un bon rapport compétence-salaire. Nous avons donc accepté son offre. Félicitations, prénom Sim. D'accord, tout va bien. Et un truc que je vais faire, c'est que voilà, il va vendre pour publication, il va le mettre sur Instagram. Et celle-là aussi. En fait, quand on fait des photos avec les gens, on peut aussi faire ça. Super, vendre à collectionneur. Ah ouais, sympa. Avec l'autographe de sa chère chérie, maintenant, parce qu'Octavia Moon, nous l'avons mis dans notre lit, ou plutôt dans le placard. Alors, on a 388 et il est content, voilà. Allez, on va peut-être vite fait faire un tour en ville, histoire de. Ah oui, j'avais pas vu celle-là. 50 Simflouz quand même. Tiens, Taylor, tu mérites bien une rose, ma belle. Voilà, hein, dis donc. Quel charmeur, hein, ce petit Ibrahim. C'est un vrai charmeur. Oh tiens! La Dislo, il est devenu barman! Les temps sont durs pour les vampires en ce moment. Oui! Les fans affluent, ça y est! C'est vrai que maintenant, ils peuvent signer les autographes et tout, donc un petit jam en public. Et les gens sont ravis, quoi. On va peut-être récupérer de la thunasse, hein. On commence à bien s'en sortir, 3004. Je suis allée à 5 6000 simflouz, je refais la maison. Hein? Et j'essaierai de faire un truc sympa. Allez, Taylor! Dis-le que ça te plaît, ce qu'on fait. On est trop balèze. C'est sympa, hein, quand il joue de la guitare. Il regarde vraiment son manche, les accords qu'il fait et tout. Voilà, ça chantouille, ça chantouille. Oh punaise, il y en a une qui est tombée par terre. Est-ce que c'est pour nous ou... Non, ça doit être pour elle, non? En tout cas, ça se passe bien. Ah, ça y est, on gagne des sous. 8 Simflouz. Trop bien. Alors, on refait avec une photo avec elle parce que j'ai encore le bug dans mon jeu qui fait que je n'ai pas la vraie photo que j'ai prise, mais une photo d'un let's play de mon legacy privé que j'ai fait il y a, que j'ai terminé il y a 2 ans, hein, 3 ans, et qui est toujours bugué. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je me renseigne pour l'enlever. Mais j'espère que cette fois les photos seront bien. Et non, ça, alors si j'en ai au moins deux qui sont correctes. Donc ça c'est cool. Et pendant que tout le monde est sur Taylor Swift, moi je fais une photo avec Octavia, notre maîtresse. Comme ça on va pouvoir aussi améliorer la notoriété. Avec les bouteilles derrière, ça fait très classe, très chic tout ça. Allez, on a ramené Octavia à la maison et on va lui embrasser les mains et lui faire un petit crac-crac, bien sûr, des familles. On va la baratiner surtout, hein. Et puis, voilà, le petit crac-racounet. Attends, 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 attends. Tu vas jouer la sérénade. C'est toujours bon pour ce que tu as, mon petit, c'est-à-dire de la notoriété. On veut de la noriot. Alors, tu vas juste faire un petit crac-crac bien comme il faut dans le lit. Et après, on verra si on te fait faire un bébé. Parce que. Eh oui, s'il est la quarantenaire, il va peut-être falloir penser à se reproduire. Mais bon, on verra. Ah bah non. Il n'y a pas le temps. Il tombe. Non, t'abuses, mec. T'abuses. T'étais sur le point de. Hein? Bon, c'est pas grave. Elle va aller se coucher. Faudra la réveiller avant de la. Voilà. Je ne veux pas être vulgaire pour ce coup-ci. Allez, debout, Octavia, ça y est, on est en forme, on va te faire un petit crac-crac des familles. Mais reviens!
Mais saleté! Oh, elle veut pas, elle, hein. Ah si, vas-y, ressors du lit. Ah, on sait qu'on est fatigué, on n'est plus trop jeune, 4 h du matin, on n'a pas que ça à faire que de faire des Mais crapules. à vous. Mais bon. Ça lui change vachement d'avoir les cheveux lâchés, je la reconnais presque pas. Elle fait plus jeune que son âge. Du moins, je ne sais pas quel âge elle a. Elle est encore jeune adulte, c'est pour ça. Allez, mon beau. 3, 2, 1, youpi! C'est parti. Allez, mon grand, tu vas aussi les mettre en ligne sur Instagram et les vendre pour la notoriété. Tout est bon à prendre, parce que du coup, on a quand même des doubles de photos, donc c'est bien. 20 abonnés, 428, tout ça. Oh, bah, c'est pas mal tout ça. On monte. L'accro au téléphone. Allez, ça va être l'heure de ton audition, mon petit. Ah oui. Eh oui. C'est comme ça. On croise les doigts. Non, moi, c'est les doigts dans le nez, même, je dirais. Eh ben voilà, audition réussie. Bien joué, Noncime. Vous avez été accepté pour jouer le rôle de non-personnage dans la future série dramatique Dignité et Décorum. Préparez-vous pour le rôle en interagissant avec d'autres êtres sensibles pertinents pour ce contrat d'acteur. Nous nous attendons à ce que votre performance soit acceptable. Juste acceptable, attention. Hein. Oula, mais il y a pas mal de choses à faire. Il y a une amitié avec la co-vedette. S'entraîner à jouer des scènes romantiques et développer la compétence charisme. Alors, 9 h jeudi, nous avons donc tout le mercredi. Cette fois-ci, oui, on a encore une fois une petite journée pour tout faire. Ok, très bien. Il est 21 h, tu es en forme. Et bah tu sais ce que tu vas faire. Tu vas inviter le producteur et tout ça. Voilà. Parce qu'on peut inviter les réalisateurs et co-vedettes. De toute façon, il faut lier une amitié avec la co-vedette. Donc on est parti. Viendez les enfants! Voilà tout le gratin. Alors, je sais pas qui est quoi. Tu viens ici, toi. Il faut bien qu'on te. Voilà, on discute un petit peu. Rappel de l'agence de recrutement EA. Pour jouer, il faut se mettre dans la peau du personnage. N'oubliez pas que votre costume est votre mec qui a joué. Bah, t'inquiète pas. Alors, c'est peut-être elle, la co-vedette, hein, mais on la connaît déjà. Donc, on va discuter du travail. On va la flatter. On va la complimenter. Et comment s'est passée la journée. Et puis, on va discuter un peu avec tout le monde. Se renseigner sur la carrière, oui, complimenter la tenue. Niveau 7, compétences charisme, on est très bien, quoi. Et voilà, il y a une amitié avec la co-vedette. C'est fait, mon petit. Allez, tu vas jouer avec elle. Scène d'amour, vas-y. On va peut-être pas gagner de pourboire, mais au moins, on va commencer à jouer avec elle les scènes romantiques. Allez. Voilà. Nubu. Par contre, s'entraîner à jouer des scènes romantiques, ça ne marche pas. Ah non, c'est tout seul, je pense. C'est pas avec elle. Bon, c'est pas grave, au moins on aura fait ça avec elle. C'est toujours ça de pris. Si, 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 ça a pris 50%, donc on est bien, on est ravis. On n'aura peut-être pas gagné d'argent, mais on a quand même pas mal gagné en ce qu'il fallait faire, quoi, tout simplement. Allez. Les autres, ils se font royalement chier derrière, mais. Et on refait une scène. C'est pas pour gagner des pourboires, là, c'est juste pour la jouer. Et normalement, ça devrait le faire. Jouer une scène d'amour ou jouer une scène d'horreur? Bah non, scène romantique, ça peut être qu'une scène d'amour. Ils sont bêtes eux aussi. Alors, est-ce que ça va faire le ting-ting? Oui, ça fait le ting-ting. Allez, salut! Maintenant, vous pouvez partir. Moi, je retourne à ma vie. Je vais faire pipi, je vais dormir. Allez, salut, hein. Ah, si tu vas en ville, tu signes ton petit autographe. Voilà. C'est cool, ça. Tiens, tu vas lui signer aussi à lui? Allez. Regarde, il est tout content de te rencontrer. Même si c'est à peine qui tu es. C'est bien. C'est bien, Ibrahim. Tu commences à te faire un nom. Tu commences à te faire un nom. Alors que Britney Spears, on l'a marqué fan, mais parce que je viens de monter sa célébrité, est rentrée dans le bar. Tu peux, voilà, tu vas lui signer un autographe, tiens, et puis tu discutes avec elle un peu. Hurler sur. Ouais, complimenter l'apparence. Bah oui, parce que normalement elle est fan, mais là, elle vient juste de découvrir la célébrité. Ils lui ont fait un maxi popotin, hein. Et elle prend toujours des photos de Taylor Swift qui est toujours là en train de glander en bar, normal. Mais il gagne trop plein de thunes là. Tout le monde lui donne de l'argent à Ibrahim parce qu'il voilà, il joue dans le bar. Voilà. Ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. C'est très bien. Oh, il nous chante une petite sérénade à Taylor Swift, hein, tranquille. Hein.
Oh, que c'est mignon tout ça. Oh, et heureusement qu'Octavia n'est pas là, hein, parce que sinon ça ferait la gueule. Hein. Je dis que ça, mais on flirte avec la troisième étoile là. On flirte de ouf avec la troisième étoile. J'espère vraiment qu'on l'aura après le tournage. Pour l'instant, il joue. Il cartonne. Bon, je suis pas sûre que ce soit lui qui prenne en photo, mais en tout cas, tout le monde s'enjaille sur sa musique, donc c'est cool. Vous voyez, il y en a plein qui aiment, hein, donc c'est bien. Oh, mais regardez! La belle Sonia Gothic est une vedette débutante! En même temps, ça m'étonne pas! Voilà, c'est trop mignon qu'ils aient voulu la faire monter débutante, je pense. Je pense que c'est les Sims qui l'ont fait. Hein, parce que c'est Bella, quoi. C'est Bella Goth, c'est Sonia Gothic. Ça se discute pas. Oh, on a eu plein de sous, n'empêche! Eh ben, mon beau, là, tu vas jouer un petit peu, ça va te détendre, et puis on va rentrer parce que là, ça va plus, et puis il faut être en forme demain, quoi. Hey, go! Nouvelle petite journée de tournage. Je pense que le décor va être top. Attention! Ah, bah voilà, oui, bah on reconnaît pas trop, mais ça reste la même coupe de cheveux, couleur noire, sans barbe. C'est surtout la barbe qui fait qu'on le reconnaît pas. Et des petites boucles d'oreilles bien mignonnettes. Allez, go. Ouh, mais qu'il est mignon dans ce costume! Oh, c'est trop chou. Allez, on est parti. On va commencer à faire connaissance à quelqu'un sur le plateau. Waouh! Ah, trop bien! Attendez! Il est trop cool le décor! Waouh! Il y a vachement de... Ah, c'est vachement sympa. Ça fait vraiment trois ambiances, quoi. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on va commencer ici. Prendre un verre risqué. Ici, ce sera flirter. Allez, on y va. Allez. Yapshapolodou chichou. Yipsems, excusez-moi. Bon, ben, à la vôtre, hein. Allez. Nous flirtâmes toute l'après-midi durant avec l'autre qui est derrière, là, qui va tout voir. Oh là là, c'était chaud! Bravo Ibrahim! Troisième scène, et alors, ça y est, ça se voit que c'est sympa, on arrive à un moment sympa de la carrière puisque c'est fini les trois scènes, maintenant on en a cinq là apparemment, donc je suis très contente. Je pensais que ça s'arrêtait à trois scènes à chaque fois, mais c'est pas le cas. Ouh, c'était bien! Allez, on va terminer. Enfin non, pas terminer, parce qu'il nous en reste une. Tchouk. On va crier des mots interdits. Allez, go. Vas-y, on est prêt. Ah, avec la musique et tout. Trop bien. Oh, j'ai pas vu, il pleut dehors. Enfin, il pleut. Les effets spéciaux font qu'il pleuve, quoi. Last but not least, enfin si, un petit peu, c'est raconter une histoire en risqué, toujours. Ok. C'était tout! Eh ben voilà. Oh, atteint le niveau 8 de la compétence jeu d'acteur! Mais c'est génial! Bon, en plus, il est 14h. Enfin, je dirais 14h22. Ah oui, non, parce que normalement c'était 18h. Donc en fait, comme on a tout fait, ben voilà. Bah bravo Ibrahim, je pense qu'on va gagner pas mal de thunas, merci. Oui! Alors, c'est dans la boîte, renvoyé chez soi, on a gagné 2750 simflouz! Oh, et on a été promu aussi, j'ai vu. Alors, promu star montante, de nouvelles auditions sont disponibles. Et... Oh non! Star montante, mais on n'a pas encore notre troisième étoile. Oh, je suis un peu déçue quand même. On va tout de suite prendre bah, les prochaines auditions, puisque comme il faut le temps, quoi, c'est toujours 24 heures après. Au moins, on s'avance un peu tout de suite. Alors, sélectionner une audition. On va vraiment taper dans les plus unités et décorum. C'est celle qu'on vient de faire. Niveau 5 de la compétence quand même. Apocalypse zombie, niveau 5 de la compétence fitness. Ou vendredi, ouais, bah, il va devoir à fond, je vais le faire bosser à fond là, il va pas sortir, on va pas faire le kéké, on va le faire bosser à fond le fitness, je crois qu'il est niveau 2 ou 3, donc on peut le faire, mais ça risque d'être compliqué. Donc. Allez, on va refaire ça, fais-moi voir, non c'est pas ça, c'est ici, fitness, ah non, niveau 4,
Super. Bah, tu sais quoi? Tu vas aller courir tout de suite. Voilà. Tu vas y courir deux fois même. Tu es en pleine forme. Tu es une star montante. Tu dégages. Non, mais c'est dans la poche. Hein. Niveau 5, il est déjà niveau 4 élevé. Donc, ça va être parfait. Tu vas recourir un coup. Et à mon avis, on sera plutôt pas mal. Le studio vous a désigné comme la prochaine grande révélation malgré votre taille relativement insignifiante et est satisfait de sa décision de vous engager. Nous croyons que même s'il se trompe sur votre masse relative, cela signifie qu'il est satisfait de votre performance d'acteur. Votre progression est dans notre para dans nos paramètres acceptables. Prénom Sim, veuillez apprécier ces compliments. Obité. Oh, Octavia, tu sais plus te passer de moi. Hein. Allez, on va venir, ouais, t'inquiète. Bonjour. Oh hey, salut Octavia! Tu veux Si vous faire crac êtes crac dans le placard, ma belle? vraiment Tant qu'à faire, hein? Ruba, oh. Ouais, bah écoute, tu trompes ton mari devant Oh, tout le monde. Viva! Nous, on s'en fiche, hein, on va y aller, quoi. Et dans le buisson aussi, tiens. Allez, soyons fous. Ah oui, en plus, c'est carrément le placard qui est devant tout le monde, quoi. Ah, c'est marrant, en cliquant sur le placard, on a de la notoriété? Mais pas directement sur elle, donc c'est pas grave, on va le refaire dans le placard, tranquillement. On dirait que tu passes un bon moment, Ibrahim. Non, tu crois? Mais bien sûr qu'il passe un bon moment. Attends, prendre son coup, tirer son coup tout de suite en début de rancœur, moi je trouve que c'est pas mal quand même, non? Après une bonne promotion qu'il a eue là, bon, il commence à être crevé le pauvre, hein, mais c'est plutôt bien ce qui lui arrive. Clank, 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 réunion des héros médiévaux, enfilez votre plus belle armure de la soirée chevalier et obtenez le beret de Jean. Non, ça ira. Merci. Allez, on va retourner. Lui, on se fait prendre en photo par les paparazzi. Est-ce que ça va faire les gros titres de la presse qu'on aille faire caca dans le placard? Je ne pense pas. Ce serait dommage. Oh, puis c'est elle, la coquine, hein, qui en a envie. Hein. Oh, coquine, coquine. Ouh là 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 là, c'était quoi ce nuage de vapeur fumée là? Terrible? Terrible. Tiens, tu veux faire quoi pour. Vas-y, entraîne-toi à chanter pour ta notoriété, mon petit. Ah oh oui, je sais que t'es fatigué, mon beau, mais on profite, on veut devenir une star ou on veut pas, hein? Ah, rien, tu recommences déjà à récolter de l'argent. C'est que bénéfice pour toi. C'est qui celle-là? Ariana Grande. Ah bon, d'accord. Ok. Célébrité de série B, la troisième étoile est arrivée. Ouais. Alors, la célébrité d'Ibrahim commence vraiment à prendre forme. Il peut désormais clairement se considérer comme une célébrité de série B. En tant que célébrité 3 étoiles, il peut désormais faire des accolades ou prendre des selfies avec ses fans. Malheureusement, les paparazzis sont également commencé à s'intéresser à sa vie quotidienne. Faites attention à eux lorsqu'ils sortent en public. Heureusement, il y a un moyen de conserver un semblant d'intimité lors de ses sorties en ville. Ibrahim peut en effet utiliser un miroir pour mettre un déguisement de célébrité qui lui permettra de se promener incognito au milieu des gens. Excellent. Oui, mais bon, il veut être célèbre quand même. Hein. Voilà, on arrive à l'aspiration. C'est trop cool, je suis contente. Voilà, juste à lui faire pousser la chansonnette alors qu'il est en sale état et tout. Regardez-moi ça, 3 étoiles, c'est trop cool. Bon, allez, Octavia, tu viens remettre ça dans mon petit bungalow pourri. Alors j'essaie, je suis passée à 7000 simflouz. Je pense que entre les deux épisodes, je referai ça à la maison, un peu plus classe, parce que maintenant il est 3 étoiles, donc il faut que ce soit un peu plus classe aussi chez lui, hein, et pas ce truc de studio bidonville dégueulasse. Octavia, Octavia, tu es folle de moi. Évidemment, je viens. Je deviens coquin. Alors, on est en fitness 100% effectué, mais on n'a pas validé. Donc, il partait courir. Mais, oula, j'ai pas de la. J'ai pas du trot, là, mon petit. Eh ben voilà, compétence fitness. C'est parfait pour le taf. Il fallait la compétence 5, et ça y est, il y est. Et on a quelques heures d'avance, donc on va pouvoir se faire plaisir. Avec Octavia Moon. Tiens, il est là le mari. Est-ce que on va se présenter genre normal, tout va bien. Salut, ouais, je suis l'amant de ta femme. Et toi, ça va? Ah non, tu veux pas te présenter? Mais il est où? Ah bah je sais pas. Mais pourquoi t'es là, toi?
Qu'est-ce qu'ils font là, les gens? Qu'est-ce qui se passe? Elle est où, Octavia, là? Elle est où, cette greluche, quoi, au bout d'un moment? Tiens, tiens, le fameux gamin orange est devenu un adolescent complètement baraqué, de ouf. Mais avec un goût douteux. Allez, rien de mieux qu'une sieste avant une audition, mon petit. Tu seras en forme, au moins. Allez. Mais je sais pas pourquoi il dort pas. Bon, tant pis. Allez, Ibrahim! Tu vas la réussir, cette audition, tu vas la réussir. Oula, tu vas loin, par contre, pour la faire. Quelle belle vue! Quelle belle vue sur tes fesses aussi, mon petit. Go, Ibrahim! Audition réussie! Résultat de l'audition égal réussite. Soyez fier, Ibrahim. Il est très important de raconter ce récit édifiant de Sims continuant à diriger le monde sans être guidé par une forme d'intelligence informatique supérieure. Veuillez bien jouer et diffuser ce message. Ben oui, hein, parce qu'on n'est pas du tout gouverné par une agence de talent complètement informatisée. Alors, le. Comment dire quoi? Hein? Commence à 9h dimanche. Ok, donc on a tout le samedi. Développer compétences fitness, compétences guitare, s'entraîner à jouer des scènes d'action. Mais c'est cool, on va y arriver. Tu vas aller te coucher tout de suite. Et puis, on va faire ça le lendemain. Allez! On s'entraîne un peu la guitare. C'est demandé pour le boulot. En plus, on gagne en notoriété. Et on est ravis et on est en train de ravir nos fans. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Ah, mais on croise les doigts qu'il y en ait un peu plus après. Oh oui! Un premier pas au Rabat Paradis pour moi! Un premier paparazzi pour Ibrahim! Se battre avec le paparazzi, fouiller pour faire pas menacer. Faire un selfie avec un fan enlacé devant de. Sympa! Poser pour les paparazzi. On va poser pour le paparazzi après, tiens, ça va être rigolo. Oh oui! Oh oui, la pose! Il pose pour les paparazzi! Mais beau gosse! Regardez-moi ça! La classe! Wouhou! Et maintenant, on peut rentrer sans tricher, parce qu'on a les trois étoiles demandées. Tiens! Oh, Dirk Dreamer! Ah, on va se présenter, hein? C'est juste une étoile de plus qu'il a. Qu'est-ce que c'est par rapport à moi? Et ouais, c'est qui? Je le connais pas, celui-là. D'accord. Apparemment, maintenant, on peut parler hyper facilement et je le connaissais pas et voilà quoi. Je peux lui parler comme si c'était n'importe qui. Il a une étoile de plus, mais c'est cool. Il n'y a pas besoin de galérer avec une étoile de plus qu'on en a trois, quoi. C'est cool, c'est vraiment bien. Moi, je me répète, hein, mais c'est cool. Wouch! Très bonne réputation. Tout le monde adore aller aux événements sociaux d'Ibrahim. Ce sera donc plus facile d'atteindre des récompenses au niveau or pendant l'un de ces événements. En outre, Ibrahim se verra proposer des opportunités exaltantes comme des invitations à des galas de bienfaisance, des propositions d'emploi pour commencer des nouvelles carrières en étant déjà promu et bien d'autres choses. En matière de relations amoureuses, la bonne réputation ne peut pas faire de mal non plus. Les présentations romantiques peuvent maintenant donner naissance à une relation avec un amour élevé. No way! Merci, Dirk, c'est grâce à toi qu'on a une réputation aussi bonne alors qu'on a un peu couché avec tout le monde, quoi, mais c'est cool. Tiens, il est revenu, lui. Peut tenter de. Ah non, lui, on peut pas trop lui parler. Pourtant, il est. Ah non, il est deux étoiles de plus. Non, c'est une véritable célébrité, donc c'est bizarre. Je sais pas trop. Ah bah, c'est lui qui y va! Discuter avec Thorne, d'accord. Ou alors pas du tout. Judith Ward qui nous invite au bar à cocktail Club Calico. Non mais. Voilà, elle a pris un sacré coup de vieux, elle est dégueulasse, mais oui, on va y aller, quoi, c'est Judith. À la foire au talent. Et du coup, on peut te parler, toi? Ouais. C'est vrai qu'on lui avait un peu parlé la dernière fois, mais on pouvait pas faire grand-chose. Ouh là là, t'es. Oh mon pauvre, tu t'étais mal gaulé, mais alors de ouf. Qui c'est celle-là? Christina Aguilera. Lol. Ah oui, du coup, on peut parler tranquillement à madame, quoi. C'est intéressant. Oups, non, pas technique de drague. En tout cas, pas tout de suite, parce que. Voilà, quoi. On va. Non, pas un petit prêt non plus. On va pas prendre de l'argent. On pourrait, hein, on est opportuniste à fond.
Mais on va se renseigner sur sa carrière, on va faire une blague sur les hommes politiques, on va partager des photos et ce sera déjà pas mal. Et une blague grossière aussi derrière. Marche plus vite, Judith! Judith, 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 tu vas faire connaissance, complimenter la tenue, tout ça, quoi, hein? Oui, on va raconter un peu du caca, mais c'est reste Judith Ward quand même, hein, une star mondiale, hein, s'il vous plaît. Super star mondiale même. Toute occasion est bonne pour sortir sa guitare et la gratouiller un petit peu, juste pour donner. Allez, voyez, ils sont tous contents, ça donne une putain d'ambiance, là. Voilà, c'est cool. Et ça fait gagner en notoriété, de toute façon, il paraît. Même si pour l'instant, je n'ai pas avancé, en tout cas, on s'en rend pas compte. Wow, même Judith, me donne une petite pièce. Ils sont pas tous à fond sur moi, là, c'est beau quand même, non? Ouais, c'est trop bien. Ils kiffent tous, regardez-moi ça. Bah lui, il a pas l'air très content, mais. Ah, ça y est, ils sont tous sur elle, quoi, maintenant. Compétence 7 au niveau chant. Ouais, oui, il pourra faire star partout, Ibrahim. Pense pas tout ça, mais il faut qu'il s'entraîne à faire des scènes d'action. Donc, Judith s'est évaporée, cette scène-là. Ok, voilà. On le fait avec elle. Et c'est pas plus mal. Ah, ils s'en vont tous, on s'en fout du moment qu'on révise. Est-ce que ça commence demain l'audition? Donc là, il faut y aller, quoi. Non, tu dis pas au revoir. Tu lui dis jamais au revoir à Octavia. Jamais. Ne vous inquiétez pas, ils se disputent pas, hein. C'est juste une scène, hein. Du moins, je l'espère. Hein. Oui, ça y est, c'est bon. Nickel. Bon, allez, tu viens à la maison, on va dormir ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est colère, elle. Et du coup, ben, ça fait descendre leur complicité, quoi. Ça craint, ça craint. Elle est vraiment colère. Allez, un petit massage, est-ce que ça va te détendre? Allez, reste dormir à la maison, ma belle. Ça ira mieux après, tu vas voir, je vais t'embrasser les mains. Ça va te donner la chaleur aux fesses, tout ça. Oh là 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 là. Oh là là, bon allez, va repars-toi. Tu nous sers à rien ce soir, t'as tes ragnagnas, on a compris. On va se coucher. Allez, dormir, Ibrahim. Ça ira mieux demain. Allez, tu lui dis au revoir. On s'en fout, allez, qu'elle se casse. Fichtre, c'est l'automne. Oh. Nous avons une nouvelle bizarrerie, spécificité. Il a le palais raffiné. En tant que célébrité, Ibrahim s'est habitué aux repas d'excellente qualité. Manger de la nourriture indigne de ses attentes élevées le rend de plus en plus mal à l'aise. Ok. Ah, bah, sans doute, chaud-fromage fondu, ça va très bien. Bon, bah, c'est parfait alors, hein, on va pas se plaindre. Et on est parti pour le tournage. Ouf. C'est quoi ce maquillage vert? Oh, ça va. Remarque, avec ses yeux, ça ressort beaucoup quand même. C'est un peu trop fluo à mon goût, hein. Bon, et la coupe de cheveux, ça sera quoi? Attention. Oh. Ouais, je suis pas fan. Ça lui va pas vraiment. Ça lui va vraiment pas. Allez, tu vas mettre un petit costume aussi. T'en vaut la peine. Il est, mais genre, méconnaissable, quoi. Au secours. Avec sa tenue de, je sais pas quoi, de dragon apocalyptique. Ah ouais, d'accord, le décor, il est beaucoup trop beau, quoi. Oh bon, allez, on va se battre en risqué. Oh mon Dieu. Ah ouais, avec une punk. Ça va, madame la punk? Oh, c'est trop beau. Avec les cendres et tout. Ah, oh, c'est vraiment trop, trop beau. Allez. Ah oui, d'accord. Oh, punaise, il est à l'envers. Alors, la punk, qu'est-ce que tu crois là? Allez, cette fois, c'est raconter une histoire en risqué. Ah, le décor est trop canon, quoi. Ah, bah tiens, ici, juste à côté de toi, tu as joué de la guitare en risqué. Vas-y, mon beau.
Toujours, hein, comme d'hab. Allez, on te filme. Action! Pourquoi on a l'impression que tu joues une guitare Oui, non, parce que elle est. On va dire qu'elle est électrique un peu, mais. Disons que ça sonne pas avec cette guitare-là, quoi. C'est pas bon du tout, c'est pas réel du tout, mais bon. On dira rien. Et ensuite, nous allons enlacer en risqué avec cette chose-là qui est. Daishi Okada, donc c'est un homme, sûrement. Voilà, tu vas l'enlacer en version risquée. C'est trop beau avec la tente et tout. Oh non. Et là, ça même petite coupure d'électricité là, le petit feu de camp et tout. C'est trop sympa. Oh le câlin, c'est trop mignon. Bravo. Jouer la scène où un personnage meurt. Bah, c'est maintenant c'est à toi de mourir, Ibrahim. C'est cool. Allez, on va pas louper ça. Vas-y, meurs, mon beau. 1, 2, 3. Ok! Très bien. Hein? Bravo! Oh, qu'est-ce qu'il est fort, Ibrahim. Bon sang, bonsoir. On va voir si ça va nous monter la célébrité ou pas. En tout cas, c'est cool! On a fini le tournage! Niveau or, encore une fois, 2825 Simflouz. On est encore promu au comédien chevronné. Oh, c'est huge, les enfants, c'est huge. Donc, il a été élu promu au poste au comédien chevronné. De nouvelles auditions sont disponibles. Et ben, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas admirer ton autographe? Mais non! Alors, on va pas refaire ça. Hein. Donc là, on a entre les trésors de Crimaville. Oh! La vache! 3115 à 6550! Le shérif! Oh! Niveau 7 comédie, niveau 7 fitness, niveau 5 guitare, ça c'est bon, on l'a. La dernière ville de l'Ouest. Créature de la forêt de Movensa, on l'a déjà fait. Ah! Alors, ce serait plus entre les trois ici. Alors, 5 guitares, c'est sûr, on peut la faire, mais c'est la moins bien payée. On n'a qu'à taper dans le mieux, déjà. On est déjà niveau 5 en fitness. En comédie, je ne sais pas combien on est. On va regarder ça tout de suite. Comédie niveau 4. Ah ouais, bah on va prendre le fitness, peut-être. Hein. Ce sera peut-être plus logique. Allez, Ibrahim. On va prendre donc le fitness, les trésors de Crimaville. C'est juste un poil en dessous. Lundi, 19h. Donc, ça fait 24h. Ouais, pour prendre deux points de fitness. Je sais que ça va être beaucoup plus long. Mais il y a moins de... voilà, vers la dernière ville de l'Ouest. Et puis, comme ça, on a... je sais pas. Allez, on va prendre ça. On va prendre la sécurité. Mais en attendant, il va aussi travailler son footing. Allez mon beau, tu vas courir un peu. Non, tu manges pas, tu fais rien, tu cours. Et parce que on va s'entraîner pour les prochaines auditions, du prochain épisode de ta vie. C'est tout, c'est ça ton footing. Franchement, tu me déçois, hein? Comment je fais mon outro moi après? Alors c'est même comme ça que je vais vous faire l'outro, hein? On va voir ce qu'il voit quand il fait son footing. En tout cas, j'espère que cette vie rêvée d'Ibrahim, que ce rêve de gloire vous aura plu. On a bien avancé, vraiment pas mal, et on ira encore plus haut la prochaine fois. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Ibrahim. Allez, moi je vous embrasse, salut.